une grande joie pour nous tous de vous voir si nombreux pour ce concert exceptionnel, comme disent certains, un concert marathon. Pour commencer, j'invite Monsieur le directeur de l'IFM à prendre la parole. Et Monsieur le Président de l'association Madagascar Lanzardien, à venir avec Monsieur le Directeur. Monsieur l'Ambassadeur des États-Unis, chers amis, bonjour. Je voudrais vous dire que je suis particulièrement ému de voir si nombreux rassemblés aujourd'hui. Et je pensais qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas eu de place pour cet anniversaire très impressionnant du centième concert de Mehdi. Alors ça m'est l'occasion d'abord de rappeler un mot d'un philosophe français, Vladimir Yankelevitch, qui était un grand mélomane et qui dit « on peut vivre sans la musique, mais pas bien ». Et j'aimerais dire « on peut vivre à Madagascar sans la musique classique, mais pas bien ». Ça m'est surtout l'occasion de féliciter, vivement félicité l'association Madagascar Mozarteum et son président, d'avoir su, en 10 ans, constituer un large public de la musique classique, d'avoir su aider, constituer un réseau de professionnels et de praticiens excellents et de plus en plus excellents, et d'avoir su aussi susciter l'engouement d'un public jeune. Et à ce sujet, j'évoquerai la France, où le public de la musique classique, en moyenne, a plus de 70 ans. Donc, il nous faut saluer, et interpréter la portée de cet engouement. J'oserais penser qu'il s'agit finalement pour vous tous d'être au cœur, dans le cœur de ce qu'on appelle la musique savante, mais qui est au fond l'expression d'abord occidentale, mais qui appartient à tous, des sentiments, des valeurs, d'humanisme, de la beauté, de l'esthétique, et aussi de la pratique collective, puisque la musique, c'est à la fois, bien sûr, jouer, mais c'est aussi écouter ensemble. Voilà. Dernier point que je voulais évoquer, c'est quand même l'implication de l'Institut français de Madagascar depuis l'origine de ce projet il y a donc 10 ans. L'ancien directeur, mon prédécesseur en 2009, m'a écrit hier, il a écrit à José, pour se souvenir du moment où José est venu le voir en disant « J'aimerais bien qu'on fasse comme à Buenos Aires, les concerts de midi à Madagascar. » Mon collègue prédécesseur a dit « Mais est-ce que tu crois, José, qu'il y a un public, qu'il y a des musiciens ?» José a dit « Essayons ». Et 10 ans après, l'essai est magnifiquement réussi. Donc je n'appellerai qu'une chose de mes voeux, c'est qu'on continue, qu'on amplifie. En tout cas, l'IFM sera toujours à vos côtés, José. Merci beaucoup, Didier. Très touchante. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis and your family, you are very welcome. And we hope to see you in our concerts again. Bienvenue à ce concert numéro 100. Concert toujours gratuit. Grâce à la généreuse solidarité de l'Institut français de Madagascar. Nos sponsors, la Société Générale, Vima Vision Madagascar, et Holcim, notre partenaire médiatique, l'Express et les Nouvelles de Madagascar. Ce
grâce à l'appui de l'Institut français et de nos sponsors que nous pouvons offrir gratuitement cet concert. Mais si vous voulez nous soutenir, nos urnes sont à votre disposition à la sortie pour recevoir votre contribution. Merci d'avance. Je voudrais appeler les membres de Madagascar, nos Arteum, à venir me joindre. Monsieur le vice-président Henri Andrianis. Monsieur le secrétaire André Rassafi-Dracot. Monsieur et madame la trésorière Razanamasi Kalouri. Et nos conseillers musicaux Zaza, Ravo Arivuni Turkental. Tadi Ranaï Mouchou, notre directeur artistique. Raf Anzanirinan Rakoko Adimino, notre coordonnateur. Monsieur Desi Ramilison, qui fait un peu de coup. Natacha Rajemison. Reina Schwarte. Ah, malheureusement le professeur Reina Schwarte n'est pas aujourd'hui là. En tout cas, c'est grâce à cette équipe que Madagascar Mozarteum fonctionne. Je vous remercie à vous tous. Nous allons apprécier les talents de la famille Naman, le père et le fils, et puis le talent de Douria. Après Douria, on va écouter Appassionato et Surte, et un bon un peu Farfouche. La famille Narmanana, c'est-à-dire le père et le fils, est célèbre en tant que pionnier de la guitare classique à Madagascar depuis 1994. Avec les membres de sa famille, ils ont fondé le Festival international de guitare à Madagascar. Le père et le fils sont des guitaristes solistes, arrangeurs et compositeurs. Zohar Narmanana veille à introduire des éléments de la tradition malgache dans ses compositions. Apprécions donc le père et le fils dans ce concert. Famille Narmanana, à vous. Thank you.
Merci à la famille Naaman. Nous allons accueillir maintenant Touria. Touria Rakotrazaka. Touria a été lauréat du concours de piano en 2018, organisé par Madagascar Mozart Theatre. Il a fait ses premières années de piano avec Irman Tolalaif, que nous avons pu apprécier tout au début de ce concert. Il partage sa passion pour le piano en tant que soliste et accompagnateur. Donne des cours à des élèves de l'Anglican Music Institute. Il va nous interpréter le signe de Saint-Saëns. Apprécions Touria Rakotrazaka. Touria, à vous la scène. Thank you.
Merci, Julie. C'est un morceau qu'on aimerait toujours entendre, écouter et apprécier. Tellement c'est beau. On va recevoir maintenant Appassionato. C'est un groupe vocal créé grâce à l'initiative de Madagascar Mozarteum, toujours. Et le groupe des solistes lyriques, il a assuré le concert de midi en juin 2018 avec l'interprétation des chants traditionnels, avec quand même une petite touche lyrique. Il va nous interpréter des extraits de la Pericole numéro 8, mélodrame de Offenbach. Appassionato, à vous la scène. Les salles m'affrontent bien.
Et quand je me mets en colère, je t'aime.
Thank you.
Nous allons passer à un autre genre encore, Misulkia. C'est un groupe qui n'est plus à présenter. Et c'est un groupe qui a pour mission première de faire revivre des chansons d'hier. Nous avons tous, si bien l'être, tous les âges, les chansons de, les œuvres de Rassan Kita, Justin Razzou, Terak, Nakra Bimanatsu, et j'en passe. Donc, apprécions l'Isulk. L'Isulk, à vous la scène. Thank you.
C'est des chansons qu'on aime toujours avoir sur les lèvres et ça va droit au cœur. Tellement c'est la chanson, c'est les chansons du tiroir. Merci Souki. Maintenant nous allons apprécier les talents de Amboarabe Faravouj. C'est une chorale d'église qui a un large répertoire. Le répertoire ne se limite pas qu'aux chansons sacrées. Parmi les pionniers de la musique classique. Amboarabe Faravouj est membre de cette église constituée par Lucien Rogenafil. Il a participé au masterclass et concert avec Peter Terry en 2016. Il a assuré le concert de midi de Madagascar Mozarteum en juin 2015 sous le thème Air et chœur d'opéra en français. Apprécions Amboarabe Faravouj.
Nous allons prendre 10 minutes de pause pour nous dégourdir les gens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ayez l'amabilité de dire aux hôtesses au cas où vous ne reviendrez pas. Libérez, donnez la place aux autres. Merci. Donc 10 minutes et nous allons reprendre tout à l'heure la quatrième partie.